Bonjour à tous, bande de konabiso, bolandara biso, batanzinoise et tanzinois. Merci mingi na confiance, bosalaka na chaîne Nabino, chaîne de l'excellence, télé Tchangou, et belé, bokomela rabiso, bopesa rabiso. En tout cas, bah, encouragement, Nabino, pe bopesa rapé, bah, remarque Nabino, pour nato améliorer, en tout cas, moussa na bison de toi, ko sala, soukamboula yango yo, et ye, donc na kombo na nga moropé na kombo équipe ya télé Tchangou, to ye, ko présenter Bino, en tout cas, bah, fête et l'amour, fête et la nativité, paix à bonne année 2022. Bah, vœux na biso penza ya makasi to robanda yango na Fabien Kuswanika, yemoko, oyo, azaye ko kamba biso nyonso na kati ya télé Tchangou. En tout cas, c'est qu'à l'année 2022, et c'est l'année moro ya malamu penza, o kende liboso, nzambe abate la yo. Na libota na yo mobimba to pesi pe ba tanzinois et tanzinoises nyonso ba en tout cas ba vœu ya makambu ya malamu e belé e comme la bino to bi que bo ti ko traverser surtout bino pena bozaki ki frappé na COVID-19 oyo mais nzambe azana na bino makam na mieux kende liboso biso équipe télé Tchangou toza toujours wana pona ko sala la bino ko pesa bino ba information oyo awa ezali ko leka na ki Kinshasa et bandeko belé batou na ranga pe bako soutenir biso lolenge nini numéro na biso pe yango wana numéro MPSA yango wana bokoki ko soutenir biso pe na nzela wana. En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde et bonne fête de nativité. Voici donc le point de presse qui a été préparé par notre client et à votre intention. D'abord, le contexte. Une enquête prétendument basée sur 3,5 millions de documents réalisée par la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique ainsi que par la société française Mediapart et analysé par 24 médias et ONG étrangers, coordonné par le réseau EIC, European Investigate Collaborations, a abouti à une publication intitulée Congo Hordap, dont le contenu, médiatisé à l'extrême, s'attaque avec outrance au président de la République honoraire que nous représentons ici. Cette publication diffusée par extrait par les organes de presse étrangères et relayée en République démocratique du Congo et dans le monde est sans aucun fondement, mais simplement diffamatoire et calomnieuse, car n'étant soutenu par aucune preuve fiable et crédible présentée par ses auteurs. Sur le plan légal, ces affirmations portent atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client. Bien plus, cette publication diffamatoire, curieusement diffusée pendant plusieurs semaines, avec une hargne rare, suscite des questions quant à l'intérêt et à l'intégrité des médias et autres organes en question qui devraient plutôt faire montre d'impartialité à tous égards. Car on ne peut perdre de vue que la cible qu'ils se sont choisie est une personnalité de premier plan pour notre pays et pour notre continent. Comment expliquer cet acharnement intensif et répétitif de tant de médias occidentaux sur un seul homme qui n'a causé aucun tort à aucun de leurs pays, et ce, sans présenter une seule preuve, une seule transaction en son nom ou à son profit, sans indiquer un seul compte en banque en son nom, si ce n'est que pour nuire
aux intérêts de notre pays et à l'image d'un homme qui s'est battu pour défendre la souveraineté de son pays. Comment expliquer la position de RFI qui, pendant 3 semaines et de manière ininterrompue, un effort qu'on n'a jamais consacré, même à l'avènement d'un pape nouveau, même à un pape mort, a fait du rapport Congo Hold Up la une de tous ses journaux, matin, midi et soir. On peut s'interroger sur les méthodes d'accès à 3,5 millions de pièces comportant des données confidentielles d'une banque centrale et d'une banque privée par des ONG et médias, si ce n'est par des moyens peu recommandables. Le seul constat qui se dégage de tous les extraits publiés jusqu'à ce jour est que nous sommes en face d'Amélie Mello, d'un amalgame, de contre-vérités, relevant de grands complots d'intoxication et de diabolisation dans le but de nuire à la personne du président de la République honoraire et d'intensifier ainsi des crises politiques en République démocratique du Congo afin de maintenir le contrôle sur son sol et sur son sous-sol. Pour preuve, les auteurs du dit rapport, publié par extrait, n'ont relevé aucun élément, aucun acte précis et probant concernant le président de la République honoraire. En effet, une lecture de ce rapport fait état de plusieurs insinuations malveillantes et affirmations gratuites indigne des ONG et des organes de presse de ce rang. Nous pouvons vous citer, à titre d'exemple, les affirmations suivantes. Premier exemple, la cité du fleuve. Contrairement à ce qu'affirment les médias concernés dans leur rapport, n'a jamais appartenu et n'appartient pas au président de la République honoraire. Nous invitons les sceptiques à aller vérifier de même. Par ailleurs, son propriétaire est notoirement connu. Deuxième exemple, le prétendu détournement des indemnités destinées aux 925 casques bleus de la MINUSCA, mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en RCA. Alors que le document cité par les mêmes médias signale que les versements effectués auprès de la mission permanente de la RDC à l'ONU ont été virés par la même mission à la Banque centrale du Congo et non sur un compte bancaire quelconque qui aurait appartenu au président de la République honoraire. Troisième exemple, les rapports de médias et ONG concernés sur la gestion de l'Assemblée nationale au cours de la période de 2012 à 2017 est un tissu de mensonges qui a été dénoncé par les gestionnaires de l'époque dans une correspondance du 1er novembre 2021 adressé à ce même consortium dans laquelle l'Assemblée nationale affirmait ne pas être au courant de l'existence d'un lien quelconque entre elle et la société Sud Oil. Quatrième exemple. De même, elle n'a pas reconnu avoir donné un ordre de virement au profit de cette dernière, malgré les exigences de transparence et d'intégrité inhérentes au métier de la presse, le consortium, à ce jour, n'a jamais voulu publier cette correspondance.
Cinquième exemple, le prêt de 25 millions de dollars américains consenti à la CENI est licite. Il en est de même du retrait à liquide de 7 millions de dollars américains. Ces sommes prétendument détournées par cette institution au profit du président de la République honoraire étaient destinées à l'organisation des élections et ont servi effectivement à cette fin. Sixième exemple, l'imputation des opérations diverses au sein de la BGFI à notre client, alors que celui-ci n'est ni client ni agent de cette banque, n'y a joué et ne pouvait y jouer aucun rôle. Face à toutes ces contre-vérités, et parmi tant d'autres qui n'ont pas trouvé de place dans ce point de presse, le président de la République honoraire a pris le temps de réfléchir avant de réagir pour ne pas laisser aux médias le souhait d'interpréter son silence comme un acquiescement. Aussi a-t-il décidé de donner mandat à ses avocats pour faire face et faire échec à cette campagne médiatique. Pour rappel, le président Kabila est cet homme qui arrivait au pouvoir en 2001 dans un contexte douloureux et difficile pour sa famille et pour la République démocratique du Congo, a réalisé de grandes choses pour son pays, que nous ne pouvons pas citer toutes, mais desquelles nous pouvons dresser une petite liste exemplative, notamment 1. Par sa capacité de renoncement et de négociation, et ayant trouvé un pays meurtri par des guerres et profondément divisé, l'a réunifié et pacifié. Il suffit de nous référer aux accords de Lusaka, de San City, d'Addis Abeba, aux concertations nationales, aux accords de la Saint-Sylvestre du centre interdiocésain de Kinshasa, etc. Deuxième fait, par sa ferme volonté de démocratiser la République démocratique du Congo et la mettre sur le chemin des droits et libertés, il l'a dotée d'une nouvelle constitution et des institutions républicaines et pérenne. Troisième exemple, il a restauré l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et doté le pays d'une armée nationale réellement réunifiée et républicaine, le FARDC. Quatrième exemple, sur le plan des finances, il a doté le pays d'une zone monétaire unique à la place des trois zones monétaires qu'il avait trouvées, a assaini les finances publiques, atteinte du point d'achèvement du mécanisme PPTE, c'est-à-dire apurement de la dette extérieure qui s'élevait à plus ou moins 15 milliards de dollars américains, l'accroissement des réserves d'échange, etc. Cinquième exemple. Pour la première fois, sous la Troisième République, il a organisé les élections générales, législatives et présidentielles en 2018 sur fonds propres de la RDC, sans apport financier extérieur et contre la volonté de ceux-là qui voulaient garder la mainmise sur la République démocratique du Congo et sur ses ressources. Sixième exemple, il a doté le pays de nouveaux codes miniers qui fait grincer les dents à tous les capitalistes impénitents. Il a doté le pays de lois
sur les violences sexuelles faites à la femme et à l'enfant, des lois sur la passation des marchés publics et sur les assurances, ainsi que plusieurs autres lois qui améliorent l'économie et les finances et encadrent les libertés publiques. Septième exemple, sur le plan international, il a permis à la République démocratique du Congo de renouer avec la communauté internationale par la ratification de nombreux traités internationaux, dont ceux relatifs aux droits de l'homme internationalement reconnus, notamment celui du statut de Rome, la Cour pénale internationale, et par l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité OHADA. Et c'est toujours cet homme patriote qui s'est battu pour la pacification, l'unité nationale, la cohésion sociale et le développement de son pays durant 18 ans que ce média occidentaux vous présente comme un criminel qui aurait détourné 138 millions de dollars américains, soit environ 7 600 000 dollars par an ou encore 630 000 dollars par mois pour lui, sa famille et son clan. Le comble, je ne sais pas s'il faut dire du paradoxe ou du ridicule, est que la victime de toutes ces diffamations a, en sa qualité de président de la République, légué au gouvernement de son successeur près de 2 milliards de dollars américains comme réserve à la Banque centrale, consolidée sans un quelconque appui extérieur. Deux, après ce contexte, nous évoquons la position du collectif des avocats. Ayant pris connaissance des extraits du rapport tel que publié, et devant des preuves évidentes de contre-vérités, de dénonciations calomnieuses et de diffamations attentatoires à l'honneur et à la réputation du président de la République honoraire, par ailleurs, de nature à l'exposer au mépris public, le collectif des avocats a examiné toutes les possibilités de porter cette affaire devant les cours et tribunaux. Bien entendu, c'est l'occasion de préciser que nous ne sommes pas venus pour donner une conférence de presse. Néanmoins, en tant qu'avocat et praticien du droit, nous voulons fixer l'opinion et annoncer la position officielle du président de la République honoraire face à cette campagne de diffamation et de dénonciation calomnieuse, des dénigrements et des contre-vérités contre sa personne. Bien plus, nous pouvons nous interroger en quoi la gestion interne d'une banque privée, les actes posés par des autorités de régulation et de l'administration fiscale, par ailleurs relevés par des auditeurs indépendants et par l'IGF, doivent être imputés au président de la République honoraire. Nous nous réservons donc, au moment opportun, le droit de recourir aux voies légales pour rétablir le respect, l'honneur et la réputation du président de la République honoraire qui a toujours fait preuve du patriotisme et de l'intégrité dans la conduite des affaires de notre pays. C'est à cause de ce patriotisme et de son amour avéré pour notre beau pays qu'il a préféré, après son deuxième mandat, de continuer à y vivre modestement parmi les siens au lieu de s'installer dans les grands palaces à l'étranger. L'acharnement sur la personne du président de la République honoraire, de la part des médias internationaux,
politiquement orientés, manipulés et instrumentalisés, appellent une réponse énergique et appropriée par toute voie de droit. C'est pourquoi, et pour conclusion, suite à la violation grave et intentionnelle de ces droits fondamentaux des citoyens, notre client se réserve le droit de saisir incessamment les instances judiciaires compétentes, tant à République démocratique du Congo qu'à l'étranger, pour que justice soit faite. Ainsi fait à Kinshasa le 23 décembre 2021 pour le collectif d'avocats du président de la République honoraire. Je dis et je vous remercie. Je vous en prie, Mouzé, sortez. Vous vous pensez en tant qu'avocat du président honoraire? Oui. Est-ce que vous vous pensez vraiment traîner, humilié, traîner dans la boue? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une autre question plus précise. Plus précise, donc, on a parlé de la mauvaise gestion, donc 8 millions de dollars, qu'est-ce que vous dites? C'est facile d'imputer à quelqu'un un détournement de 138 millions pendant qu'il a laissé à votre disposition 2 milliards de réserves d'échange. Pourquoi il ne les a pas pris? Et qu'est-ce que vous pensez de ce consortium des journalistes étrangers, comme vous l'avez dit, à d'autres visées? Est-ce que vous pensez que vraiment ces journalistes ont disposé de 3 500 000 documents, et s'ils en ont disposé, vous pensez qu'ils les ont lus? Ça prendrait combien d'années analysant même 10 par jour? Calculez un peu. Et votre conclusion? Ma conclusion est que on ne peut empêcher personne de recourir à la justice de son pays ou à la justice d'ailleurs lorsqu'il considère que ses droits fondamentaux ont été lésés.